Et bien salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler de petites astuces et surtout d'une astuce en particulier les gars. C'est une astuce qui va nous permettre d'ouvrir les coffres de factions plus rapidement. Alors ces coffres de faction les gars, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce qui va se passer les gars, c'est que je vais lancer un petit solo. Je vais aller sur la carte, je vais essayer de vous montrer donc comment, bah déjà ce que c'est les coffres, ensuite comment les ouvrir plus rapidement. C'est un trick qui marche et une astuce donc qui va vous permettre de faire ça plus rapidement. Et parfois une seconde ou deux secondes sur Fortnite, eh bien ça peut changer la donne. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça, je vous retrouve sur la carte. Donc sur cette carte les gars, on se retrouve et on va aller à la grotte. Et avant tout les gars, n'oubliez pas, il y a un concours pour gagner 10 passes de combat. Si vous mettez mon code créateur pour me soutenir et que j'atteins les 3000 soutiens les gars, j'offre 10 passes de combat de la saison 3 ainsi qu'un concours sur Instagram. Vous allez sur mon Insta Jean Lopez, vous abonnez, vous me lâchez un petit commentaire avec votre epic. Et vous pouvez m'envoyer d'ailleurs des stories où avec justement mon code créateur, je vous les mettrai dans ma story avec votre nom, comme quoi vous me soutenez. Alors vous allez vous diriger vers la grotte puisque c'est un endroit que j'aime bien. Et en plus c'est un endroit où on a justement ces coffres en masse pour que je puisse vous montrer la chose. Là justement je me déplace vers ce bâtiment qui est extérieur à la grotte, justement parce qu'il y a un endroit pour se changer. Il y a en même temps un coffre pour avoir une arme directement, et il y a une poubelle pour s'infiltrer dans la grotte discrètement. Donc vous allez voir, d'abord vous venez là, vous vous changez et c'est parti. Ensuite les gars, vous allez devoir descendre par le petit raccourci, donc cette poubelle qui est juste à côté, vous devez la prendre. Et vous allez devoir faire une edit sur un cône. Alors j'avais déjà essayé, mais du coup j'avais mis un cône et j'étais pas déguisé, donc ça marchait pas. Là je me suis déguisé, ça va marcher, regardez. Là, mon cône, il faut le placer comme ça. Vous éditez le premier carré, et quand vous éditez le deuxième, vous scannez au même temps et vous relâchez votre edit. Alors je vous le remontre, vous éditez le premier cône, vous rentrez dans votre cône, vous changez le deuxième cube, et lorsque vous lâchez, vous scannez votre perso, ça va ouvrir instantanément donc le coffre à scanner, et vous allez pouvoir l'ouvrir donc 2 ou 3 ou 4 fois plus rapidement. Donc voilà les gars la petite astuce, j'espère que ça vous a plu, dites-moi si vous connaissiez déjà ou pas, si vous en avez d'autres, dites-les moi en commentaire. En tout cas n'oubliez pas le petit concours, lâchez-moi un max de likes, un max d'abonnements, je vous remercie mille fois les gars. Comme d'hab, n'oubliez pas de rester zen, je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo, salut à tous.